Nous commençons notre enseignement. Comme je vais me focaliser sur l'application, le critère d'application de la loi de semailles et de la moisson. Et dont le principe des prémices par l'apôtre Paul, qu'il a appliqué donc à la résurrection, nous allons d'abord faire notre première lecture dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 23 d'abord. On peut m'afficher le texte et puis après on va lire un autre texte qui est un peu long. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, Christ puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. À partir du verset 35, c'est l'apôtre Paul qui se pose des questions. Bon, il répond à une question qu'on lui a posée. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il meurt. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un grain simple de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donnera un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Il y a
terrestre. Bongali. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. L'autre est l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible, il résiste incorruptible. Il est méprisable, il ressuscite glorieux. Et l'on a mis la bocholami et c'est qu'une à Kembo. Il est semé infirme, il résiste plein de force. Et c'est mis boka katani et c'est qu'une à bakas ma kabele. Il est semé corps animal, il résiste corps spirituel. Et l'on a mis nzoto et abunzoto et c'est qu'une à nzoto molimo. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Ce que coudait nzoto à mosuni et d'aller nzoto à molimo. Si vous complétez au verset 40, on vous dit tel est le terrestre, tel sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tel sont aussi les célestes. Éternel notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette soirée que tu nous donnes encore ensemble avec tes enfants. Non pas à nous, à ton nom donne gloire, Père. Pour que l'enseignement que tu veux nous dispenser soit écouté. Et qu'il soit qui transforme nos vies. Qu'il fasse de nous vraiment des citoyens célestes. Que la gloire te revienne. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Et vous asseoir. Oui, ben, je suis un peu inquiété là. Parce que il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Alors, nous sommes revenus sur les mêmes enseignements. On revient encore. On n'avance vraiment pas. Je voudrais que ce soit aujourd'hui la dernière révision. Et comme ça, la semaine prochaine, on va aller de l'avant. Le problème que nous avons, c'est quoi? Regarde, nous commençons moins nombreux. Au soir, après un temps, la salle sera pleine. Tout ce que j'ai dit ici, on n'aura pas entendu. Et si vous ne réalisez pas l'enseignement à la maison, si vous ne réalisez pas les versets que je vous donne, vous viendrez toujours sans rien comprendre. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. L'enseignement, il faut un suivi important au niveau intellectuel. Étudiez ça comme si vous devriez aller répondre à une question aux examens de l'école. Que ça devienne en toi, que tu l'assimiles. Pour vous rendre compte que vous l'avez assimilé, commencez à en parler aussi aux autres. C'est ce que moi je fais aussi. Quand j'apprends, je dois parler aux autres. Pour voir si j'arrive à m'exprimer clairement. Pour voir où j'ai des difficultés à comprendre même les choses. Qu'est-ce qu'il me faut pour bien expliquer la chose? Ce n'est pas que vous venez seulement mardi, allez, vous restez. Or, dimanche, je vais encore pomper la matière. Vous comprenez? Et la matière de mardi qui est différente, et la matière de dimanche qui est différente, ça fait une accumulation. Vous ne vous allez pas vous en sortir. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Essayez de vous efforcer. On n'est pas habitué à ça. On est habitué à on lit un verset, on commente, puis on rentre à la maison. Non, ici, je vous enseigne. Et je vous prépare à ce que nous devons être dès que l'Église est enlevée. Le moment important, ce n'est pas le moment que nous sommes sur la terre ici. C'est tel que je vous ai dit.
allait jouir de notre résidence éternelle quand Dieu va habiter avec nous. Voyez là où nous allons. Ça, je vous ai dit que le critère que nous avons pris en considération, le critère avec lequel Christ va évaluer les rachetés, bien, la fidélité, c'est très très important. Ça nous accompagne dès à présent jusque dans la Nouvelle Jérusalem. Si je peux me résumer. Parce que j'ai la fille qui a posé la question n'est pas là, je ne sais pas pour répondre à sa question. Nous avons vu que notre fidélité, ma manière fidèle de marcher dans l'église aujourd'hui, ma manière fidèle de marcher avec le Seigneur, détermine tout ce que je serai là où je pars. Avec Papa Percy, nous avons vu que ça va déterminer nos positions au ciel d'abord. Chacun de nous aura une position selon l'époque où il a été fidèle ou non. Parce que nous avons dit que Jésus-Christ a trois époques dans lesquelles il doit puiser des rachetés pour son Père. Quand il est venu pour la première fois, il est venu, il est mort à la croix, c'était la Pâque. Et la Pâque, ça signifie quoi? Qu'il a, nous avons parlé de la mort rédemptrice du Fils de Dieu. Christ devait mourir pour racheter l'humanité du péché. Racheter l'humanité qui était au pouvoir de Satan. Racheter sa terre, la terre que l'homme avait perdue. Et là où nous allons, il va nous remettre cette terre qu'il a rachetée. Il a déjà racheté là en payant le prix. Il va nous-mêmes nous réhabiliter pour que personne ne nous ravisse plus notre terre. Est-ce que j'ai bien présenté ça comme ça? Je n'ai jamais présenté ça comme ça, j'espère que c'est la meilleure façon de comprendre. Donc nous avons vu que selon la fidélité dans le groupe, dans l'époque où nous avons été, eh bien, il y aura des positions de racheter sur la terre. La fidélité entendue dans les trois conceptions, fidélité, consécration, intimité, ça va énormément jouer. Dans nos positions au ciel. Après le ciel, nous serons dans le royaume de 1000 ans. Il y aura aussi des positions dans le millénium. On en a parlé, mais pas très en détail. Nous avons dit qu'il n'y aura que deux groupes parmi les rachetés. Les prémices qui sont épouses et les autres rachetés qui sont les autres rachetés. Amen. Amen. Et puis, ça va toujours influencer nos récompenses que nous allons recevoir pendant le millénium. Parce que Dieu t'a appelé, il t'a dit quand il va t'enlever, il te dit, entre maintenant dans la joie de ton maître. Mais je te donnerai beaucoup de choses quand je vais revenir sur la terre. Dans Luc, il nous dit, je vais donner au plus fidèle 10 villes, au moins fidèle 5 villes, et il y en a qui vont rater les villes aussi. Donc, la fidélité va influencer la manière
l'évangile dont les autorités nous seront distribuées. Comment, quel type de pouvoir j'aurai? Quel honneur j'aurai? Quelle gloire j'aurai? Quel type de récompense j'aurai? Grande fidélité, grande récompense. C'est ça notre enseignement. Nous les voyons au millénium. Nous voyons les conséquences dans le règne éternel. Donc la fidélité nous accompagne partout. Amen. Amen. Parce que nous verrons même à la fin du millénium, il y a eu des gens des nations qui vont se rebeller contre Christ. Ils vont rester, ils ne vont pas entrer dans le royaume éternel. Est-ce que vous avez vu où nous allons? Vous avez vu où nous allons avec la fidélité? Bientôt au ciel. Ce sera comment? Dans les milléniums, ce sera comment? Quelle est la conséquence dans le règne éternel? Ça va, c'est clair? Voilà. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alors, Christ, pour trouver à son Père de racheter. Donc, je vous ai dit que nous avons eu appliqué quatre critères. Christ va appliquer trois critères, pardon. Il va appliquer quatre critères. Ces quatre critères, je vais les présenter rapidement parce que nous les connaissons déjà. Vous en avez déjà parlé. Nous avons dit qu'il va d'abord appliquer comme premier critère le critère de la fidélité, doublé de consécration et d'intimité. J'ai expliqué ça. J'ai commenté, j'ai défini les termes, je ne vais plus revenir sur ça. Et puis, le Seigneur va appliquer la loi des semailles et de la moisson. Et là, nous avons dit qu'il y a trois étapes dans la moisson. D'abord, tu as semé. Maintenant, quand tu devais moissonner, trois étapes. Premièrement, prémisse de l'Éternel. Deuxièmement, le reste du champ. En prenant le reste du champ, ne ramassez pas ce qui tombe. Laissez un coin de champ pour les pauvres et les étrangers. C'est clair? Est-ce qu'il y a à redire là-bas? Okay. On peut continuer? Voilà, autorisez-moi comme ça. Nous avons parlé des instructions sur le calendrier de Dieu. Calendrier harmonisé avec les fêtes annuelles. Nous sommes résumés que suivant le calendrier établi par Dieu, dans l'année nous avons combien de saisons? Trois saisons, lesquelles? Le printemps, pour Israël. Le printemps, pour Israël, l'été et l'automne. Printemps qui correspond au mois de trois, au troisième mois et quatrième mois ici chez nous. Printemps, l'été vers le mois de juin, juillet. Et automne vers novembre, octobre, novembre, décembre. Pour suivant le calendrier, les Juifs, mais j'ai essayé d'exprimer ça en termes de notre calendrier. Amen. Trois saisons, trois moissons. On a parlé de l'orge. On a parlé du blé. Et puis on a parlé des autres produits à la fin de l'année. Voilà.
C'est ça qu'on a vu. Tout ça a été harmonisé avec les trois fêtes annuelles. Parce qu'à chaque fête annuelle, à chaque grande fête annuelle, Israël, tous les Israélites devaient monter à Jérusalem pour aller présenter les prémices, les offrandes, comme nous avons dit. À la Pâque, à la Pentecôte, et à la fête des tabernacles. Nous avons dit que toutes ces fêtes-là, si on les regarde dans leur subdivision, nous avons cette fête. Nous avons la fête de la Pâque qui se subdivise en trois fêtes. La fille n'est pas là, j'aurais pu répondre à sa question, mais on passe. Amen. Donc, la fête de Pâques est constituée de combien de fêtes? De trois fêtes. La fête du pain sans levain, c'est-à-dire quand Israël devait sortir de l'Égypte, il devait pendant 7 jours manger le pain sans levain. Le vin est le symbole du péché. Est-ce qu'on s'entend bien? Dans leur maison, personne ne devait toucher au levain. Il y avait la fête des prémices. On devait apporter au souverain sacrificateur les gerbes, les échantillons de la moisson pour qu'il les présente à Dieu par agitation, pour que Dieu les agrée avant qu'on aille faire la moisson. Et il y avait la Pâque elle-même. La Pâque, c'est le jour, c'est l'agneau de Dieu qu'on devait immoler à la sortie de l'Égypte. Oui, maintenant on devait se commémorer cette fête-là. Chaque année, au 14e jour du mois d'avril, du premier mois d'Israël, c'est-à-dire mars-avril, Israël devait fêter la fête de la Pâque. C'est clair. On continue. Ce qu'on fête ici, dans nos églises ici, ce n'est pas vraiment la fête telle qu'elle est définie dans la Bible. D'autant plus que les fêtes ont été un peu corrompues par un empereur, l'empereur Constantin, qui voulait imposer les fêtes à sa manière. Amen. Il voulait effacer tout ce qui est des Juifs. Amen. C'est ainsi que vous allez trouver qu'on fête la Pâque avec, je ne sais pas moi, les chocolats, les lapins, des œufs, des choses comme ça. Ce n'est pas ça la fête. Amen. Amen. Alors, pour montrer la différence, on met la Pâque au singulier et la fête des Pâques avec S au pluriel. C'est ce qu'on appelle la fête chrétienne. C'est faux ça. Bon, à côté, il s'abocé, c'est ni Pâsika, Oyo, Bathe, S, na Oyo, Bathe, S, des années, abocé, c'est ni. Amen. Amen. Donc, ça, en fait, la Pâque, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé. On dit que Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. D'accord. Et au milieu de l'année, c'était la fête de la Pentecôte. À partir du jour qu'on comptait, qu'on présentait les prémices à l'Éternel, ça se faisait le lendemain de la fête de Pâques. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je disais. Donc, ça se faisait le 14e jour, je disais. On immolait l'agneau. Alors, après avoir présenté les prémices, on devait compter 50 jours. Pentecôte signifie 50 jours.
150 jours, 149 semaines, et cette semaine, 49 jours, et le lendemain, on fête la Pâque. Selon l'explication juive. Je vais parler de Christ après. Puis il y a la fête les trois dernières fêtes de l'année. Qui est la décomposition de la grande fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est-à-dire Israël devait se souvenir qu'ils étaient qu'ils avaient marché dans le désert, qu'ils habitaient les huttes, les cabanes. Décomposé aussi en trois fêtes. La fête des trompettes. C'est le premier mois de juillet. Le septième mois de l'année, pardon. Le septième mois de l'année. Pour Israël. Je vous ai dit que c'était le mois de novembre pour nous. Vers le mois de novembre. Amen. Amen. Alors, on sonnait le premier jour du mois des trompettes. Le dixième jour, c'était la fête des expiations, c'est-à-dire le peuple devait aller demander pardon à Dieu pour les péchés qu'on a commis pendant l'année. C'est le seul jour où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Pour présenter le sang des boucs et des taureaux. Le jour des expiations. Amen. Vous vous souvenez, nous avions parlé de ça quand nous avions parlé de Barabbas, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc c'était. Que j'ai dit, je me perds dans les explications. Donc, la fête des expiations qui se faisait le dixième jour, mais ça commençait le soir du neuvième jour jusqu'au soir du dixième jour. Le peuple commençait à jeûner au soir du neuvième jour, du septième mois. Et au dixième jour, au soir, le peuple était dehors en train de pleurer devant Dieu pour qu'il nous pardonne les péchés commis pendant toute une année. Et le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Il présentait le sang pour l'expiation des péchés, ses propres péchés, les péchés du peuple, et il attendait que la gloire de Dieu descende. Quand la gloire de Dieu descendait, rendait le lieu illuminé. Il peut maintenant sortir dans la joie du peuple qui sait que nos péchés ont été pardonnés. Ça, c'est la fête des expiations. Je ne sais pas si j'avais déjà expliqué ces choses-là. Amen. Amen. Et puis maintenant, le 15e jour, c'est la fête des tabernacles qui se prend aussi cette semaine. En fait, c'est le dernier moment qu'on fait la récolte. La dernière récolte. Et quand le peuple a récolté, il doit se réjouir et se reposer. L'année agricole est terminée. C'est ce que nous avons dit. Nous appliquons toutes ces fêtes-là à l'histoire du rachat. Je réponds maintenant à la question de la fille là. À l'histoire du rachat. Nous considérons que comme il y a trois fêtes pendant l'année, nous avons aussi trois fêtes durant toute l'histoire du rachat de l'homme. À la première époque, Jésus est venu. Il a offert son corps, il est mort à notre place. C'est la fête de la Pâque. Avec les trois subdivisions.
On l'a enterré. Pendant combien de jours? 3 jours. 3 jours et 3 nuits. Et si on dit que Jésus était mort vendredi et qu'il est ressuscité dimanche, il y a combien de jours? Ceux qui a coupé qui m'ont la mitaine, ceux qui m'ont la Deux jours, c'est un mensonge. D'accord. Jésus a été arrêté le mercredi, le quatrième jour après son résurrection. Shuriken Music. Shuriken Music. Mesdames et messieurs, la compagnie Tokenekaka Airline est heureuse de vous accueillir à bord de ce vol. Nos capitaines Rancia Koukiel et Ursule Péchanga vous saluent. Mon nom est Soaz, votre chef de cabine. Soki Balobi Fanda Ofandi. Kanga Santu Okangi. Soki Okui Batikio Kiliba. Tozo rappelé n'a pas passagé Nyonso que jusque-là, avion Izana Nuna rodage. Donc, Boba Kisalabiso stressé. La compagnie Tokende vous souhaite un bon voyage. Moana na moana ayebela. What did you have there? Nothing. Makai bufunga binjo. Accompagnement bien ses alcools. Je prends pas d'alcool. Je suis accompagné quoi là? Madame, c'est pas inclus dans le billet? Avion, Yo, ça commence dans 4 avions? Amen. Alors, à la Pâque, à la Pentecôte, nous savons ce qui s'est passé. La Pentecôte, justement, c'est bien les gars. Nous savons que pendant qu'on fêtait la Pentecôte en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples, les 120 qui étaient réunis dans la chambre haute. Ils ont reçu quoi? L'effusion du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Tout le monde qui était venu de contrées lointaines les entendait. C'était un miracle. Les gens s'étonnaient comment les gens, moi je les écoute de selon le pays d'où je viens, et comment ils parlent ces langues-là. Or, c'était ça le commencement de l'église. Parce que Jésus avait dit, je bâtirai mon église. L'église a commencé à la Pentecôte. Nous continuons avec cette église-là jusqu'à l'enlèvement. Est-ce que c'est clair? Pour ça, j'ai dit, la deuxième partie, la deuxième période, c'est le Nouveau Testament qui correspond à la naissance, au temps de l'église, c'est-à-dire à la naissance et à l'enlèvement de l'église. Et le commis Bernard Boyokani a dit que, oh, est-elle ici, Mbotama et Kélésia Pébo.
Jésus a déjà accompli la fête de la Pentecôte. Parce que nous avons dit que les trois premières fêtes correspondent à la première venue du Seigneur Jésus. La deuxième fête correspond à la naissance de l'Église, le temps de l'Église. Le temps de la grâce. D'accord? Vous vous souvenez de mon tableau, de mon schéma de Daniel que je vous avais donné. Maintenant, nous avons les trois dernières fêtes que Christ va accomplir à sa deuxième venue. Vous me suivez bien? Il va les accomplir à sa deuxième venue. La première, c'est la fête des trompettes. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52. Commençons même par 51 pour bien comprendre. 51. Oui, je n'avance plus. Alors, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Quand on dit la dernière trompette, l'esprit raisonnable va penser quoi? Il y a eu aussi une première ou une deuxième ou une troisième. Et puis il dit, la trompette sonnera. Et les morts résisteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. On est en train de croire ici que la fête des trompettes dont on parle là, ce sera le moment de l'enlèvement de l'Église. Parce que à 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, on nous dit là, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15, on dit, on pourrait même aller, prenons le verset 16 directement. Donc, il y en a une presse. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette. On pense à la première trompette. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble avec eux sur des nuées. Oui, on est en train de parler de trompettes. D'accord? Donc, nous croyons que l'accomplissement de la fête des trompettes, c'est quand l'Église sera enlevée. Nous allons voir que ça n'a rien à voir avec la dernière trompette, jugement de Dieu. Non. La septième trompette, jugement de Dieu. Non, nous allons expliquer ça plus tard. D'accord? Est-ce que je me fais comprendre bien? Alors, nous avons dit que si je peux lire un verset biblique avec vous, je suis obligé de ne pas avancer. Quand vous répétez, dites-vous bien que vous n'avancez pas. Lévitique 23. Parce que la fille m'a dit, je n'ai rien compris, pasteur. Alors, quand quelqu'un n'a rien compris, on s'arrête un peu. Alors, si nous lisons le verset 32, qu'est-ce qu'on dit? Alors, ça, l'idée commence au verset 26. On parle au verset 27, le dixième jour de ce mois. Donc, c'est là que commence la fête de... des expiations. Allons verset 32.
verset 32. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au suivant. C'est une fête qui se faisait au soir, comme j'expliquais. D'accord ? Le peuple est en train de pleurer, comme je l'ai expliqué là. Maintenant, si vous lisez Zacharie chapitre 14, versets 6 à 7. On nous dit à quel moment Jésus, le Seigneur Jésus viendra sur la terre. On nous dit là, en ces jours-là, souvent en ces jours-là, nous fait penser au retour du Seigneur, nous fait penser au millénium, nous fait penser à ce temps qui doit venir. Nous aurons le temps de bien préciser ça. On dit en ces jours-là, il n'y aura pas de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Qui ne sera ni le jour ni la nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus viendra sur la terre, sur le sommet de la montagne des Oliviers. Lui assis sur son cavalier blanc, nous aussi assis sur des cavaliers. Nous allons tous descendre avec lui. Ce sera au moment où Israël est en train de pleurer. Parce qu'ils vont voir celui qu'ils ont percé. Ils vont se repentir. Nous avons dit qu'ils étaient en train d'humilier leurs âmes. Est-ce que maintenant c'est compris? Donc Jésus viendra accomplir cette fête-là à ce moment-là quand il va revenir. Vous comprenez que ces fêtes-là ne concernent pas seulement les Juifs. Nous aussi, nous devons connaître parce que c'est notre avenir à nous tous. Vous avez réalisé ça? C'est notre avenir, non? Jésus viendra accomplir la fête des expiations. Et nous, nous viendrons avec lui. Nous sommes concernés. Nous serons dans notre corps glorifié. Donc je ne dois pas dire que je dois ignorer la fête des expiations, c'est pour les Juifs. Ça, c'est faux. Est-ce que j'ai bien parlé à quelqu'un? Ça m'étonne de ce côté si j'ai toujours peur. Mais me suivez bien, les enfants. Merci. C'est le Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est clair. Je suis vite ou bien j'explique bien. C'est une explication, c'est une répétition. Je voudrais continuer avec la matière. On a beaucoup traîné. Enfin, il y a la fête des tabernacles. La dernière fête de l'année. On a fait la récolte. Nous pouvons manger, nous reposer. Jésus vient. Première chose qu'il fait, il lève la malédiction de la terre. Il avait déjà acheté la terre, non? Il ne peut pas nous donner une terre qui a encore la malédiction. Il récupère sa terre. Il me la donne à moi, son frère, qui l'avait perdu. Vous comprenez? Il récupère la terre. Il me donne. Et puis il me dit, docteur, toi tu étais fidèle, je vais te donner autant de villes. Papa Willy, n'a pas passé autant de villes. Neymar, autant de villes. Il vient, il récupère la terre de la main de celui qui l'avait acheté, qui l'avait prise de force. Il nous remet. Maintenant la terre se repose. L'homme aussi se repose. Je n'ai plus un ennemi qui va venir me ravir la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Personne ne viendra plus. Alors c'est le repos. Il vient nous faire entrer dans le repos du peuple de Dieu. Il vient nous donner le repos. Amen. C'est la fin de la moisson. Les derniers
Même le pouvoir là que tu avais perdu, que tu ne sais pas exécuter là parce que tu as peur des démons, tu l'auras ce pouvoir là. Parce que pendant ce temps, Satan sera enfermé pendant 1000 ans dans une prison. Moi je suis vainqueur. Je suis revenu avec le vainqueur. Il ne peut plus avoir la primauté sur moi. Mais les nations vont commencer à marcher selon la volonté de Dieu. Alors nous avons dit que à cette fête là, c'est la réjouissance populaire. Ce sera quel jour? J'avais donné un verset, on n'avait pas lu la fois passée. Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Daniel chapitre 7, verset 14. Daniel 7, verset 13 et 14. Vite, mes amis. Voyez, c'est le jour où le Seigneur sera investi. On va lui donner la domination de toute la terre. Il dit, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus, d'accord? Il s'avança vers l'ancien des jours, vers son père. On le fit approcher de son père. La suite, on lui donna quoi? La domination, la gloire, le règne. Tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues les serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne sera point et son règne ne sera jamais détruit. C'est l'investiture. Et le jour de l'investiture, on se livre quoi? À la joie. Les gens seront dans la joie parce que nous commençons un nouveau royaume. Est-ce que c'est clair? Là, Jésus vient accomplir la fête des tabernacles. Lui-même, comme Dieu, qui pendant les millénaires va habiter avec les hommes. Amen. Il va habiter avec les hommes. Mais dans le millénaire, après le millénaire, il va remettre le règne à celui qui est Dieu et Père, pour que celui qui est Dieu et Père habite avec les hommes éternellement. Il y a des choses merveilleuses qu'on nous dit dans ce chapitre-ci. Si vous lisez le verset 27, je ne suis plus revenu à mon enseignement. Ok, verset 27, vous allez voir quand nous parlons de notre héritage. Au verset 27, regardez ce qui nous est réservé comme héritage, bien-aimés. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, toutes les richesses, toute leur gloire seront données à qui? Au peuple saint du Très-Haut. S'il y avait quelqu'un qui avait compris, il allait dire un amen fort. Est-ce que vous avez compris ce que nous avons lu? Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront données à qui? Au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Toutes les richesses de la terre lui seront données. Vous comprenez le mensonge de Satan? Quand tu dis Jésus, regarde les gloires des nations. Moi je suis en mesure de te les donner parce que j'ai le pouvoir de donner. Voleur, qui vous a donné ça? Toi tu es allé ravir chez l'homme. Mais voici le moment où on va nous donner
Toutes les richesses, toutes les grandeurs, tous les règnes des nations seront à nous. C'est pendant le millénium. Est-ce que j'ai compris? J'ai parlé à quelqu'un. Maintenant, papa, merci. J'ai pris une heure rien que pour faire comprendre cette notion de fête. Je crois qu'on a compris cette fois-ci. Si Coco Koye Mbelo Mona Isiba Yabosino Lisiba 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 Yabosino Olinama Yeswe
la germination. Quand la semence pousse la terre et sort, c'est la résurrection. Il nous dit, ce n'est pas le même corps que tu as semé qui va sortir. Si tu prends Mokokoli Yamang Oloni Oyekobima, Ezali Mokokoli Yamang, c'est quoi? Nzete Yamang. Nous avons planté un noyau de mangue, mais quand ça sort, ce n'est plus le noyau, mais c'est l'arbre qui a le nom manguier. On peut se tromper. Vous voyez, quand Jésus a donné la parabole de la bonne semence délivrée, on est venu lui dire, Seigneur, tu avais planté une bonne semence. D'où vient la mauvaise? La mauvaise, là, on l'a constaté quand le fruit commence à sortir. On peut se tromper. Je vous ai donné la fois passée l'exemple. Si je prends les graines d'orange, de pamplemousse, de mandarine, si vous n'avez pas une bonne connaissance, vous allez appeler tout les graines d'orange.